avec les petits jeunes de chez Grandville, chacun dans son fauteuil. Montez le son. Montez le son pour Mélissa et Sofiane. Ben, elle passe par derrière, elle, carrément. Alors voilà. Elle était aussi timide que ça quand vous l'avez rencontrée pour la première fois? Ouais, mais... C'était Pierre. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, elle se lâche un peu plus, ça se voit pas encore, mais peut-être au fur et à mesure dans l'interview, ça va. Donc du côté de Caen, vous êtes rencontrés, c'est ça? Caen, ouais. À Caen même. Parce que l'album porte votre nom de groupe, Grandville, mais vous n'êtes pas du tout de Grandville les uns et les autres. Hein. Non, on est de l'Orne, de Caen, donc du Calvados. De l'Orne aussi, un peu. De l'Orne aussi, Fleury-sur-Orne. Oui, on est des alentours, en fait. On est Arthur, le batteur, et moi-même, on est arrivé sur Caen pour les études, et on a rencontré Mélissa, qui habitait là-bas et qui avait son petit duo folk, et on est tombé amoureux de la voix de Mélissa et on a voulu faire un projet avec elle. Tout à l'heure, on a écouté un extrait de l'album, c'était Jersey, à l'Oslo. Il y a des tas de chansons que j'aime beaucoup. Tic Boom, moi ça m'amuse beaucoup. Jean Troué, la première chanson, Nancy Sinatra, première chanson d'album et très réussie. Tiens, pourquoi d'ailleurs un hommage à cette chanson Bang Bang, reprise en France par Sheila? Parce qu'en fait, dans cet amour qu'on a pour la pop en français des années 60, et qu'on a aussi cet amour pour la chanson anglo-saxonne, la pop anglo-saxonne, pour nous, en fait, cette chanson Bang Bang rend bien hommage à ce pont entre la francophonie et l'anglophonie. Ce que vous aimeriez faire vous-même. Exactement. Avec cet album, par exemple. Un extrait qu'on n'a pas encore vu, écouté, Polaroid, ça représente bien l'ensemble de l'album. Ça peut se venir figé sur papier glacé, immortalisé. Ma mémoire instantanée, je ne saurais t'enlever. Polaroid sur son mur, mieux que dans un tiroir à mémoire. Pourquoi vous vous marrez en regardant les images, Mélissa? Parce que notre batteur, Arthur, il était en train de faire dodo et puis pendant l'enregistrement, j'avais une énorme couverture pleine de poils et tout. Oui, qu'on voit là. C'est rigolo de voir ces images-là à la télé. Vous n'imaginiez pas qu'un jour, en fait, vous, alors là, vraiment, on peut le dire, vous n'imaginiez pas que ça irait si vite. Hein. Ah non. Non. Ah non, pas du tout. Même pour la scène, vous n'étiez pas prêt, au fond. Vous faisiez de la musique dans votre chambre, quasiment. Non, non, on faisait quand même de la musique avant dans d'autres projets. On a eu l'occasion de tourner un peu. Mais avec le projet Grandville, ouais, effectivement, on a été jetés dans la fosse au lion rapidement, quoi, très vite. Ça s'est fait super rapidement. On a été super surpris que ça aille aussi vite. Mais au final, c'est cool que ça soit fait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mélissa? Je voulais dire tout à l'heure, il y a Bang Bang de Dalida aussi qui est très bien. Très bien. Ah tiens, d'ailleurs, si je devrais donner le CD, si vous pouvez me caler la première chanson, Nancy Sinatra, vous allez me faire un petit playback dessus, parce que franchement, ce serait dommage qu'on l'entende pas. Je préfère sans playback, alors. Bien sûr, alors allez-y, oui. Ça, c'est bang. Là, vous avez entendu bang. Dans un instant, vous aurez le deuxième bang. Attention. Oui. Il était plus doux. Voilà. Si Nancy Sinatra n'avait pas chanté Bang Bang, je ne vous aurais pas embrassé, je ne vous aurais jamais regardé, ni même effleuré. Et j'ai un gros chat dans la gorge, en fait. Elle est mignonne. Je comprends que vous ayez craqué, hein, au final. Non, mais tout va bien, tout va bien. Vous allez être aux Francopholies de Montréal, aux Francopholies de La Rochelle, vous tournez à travers la France. C'est quand même vos premiers pas sur scène. Vous êtes des gamins encore, on peut dire ça. Oui, j'ai le droit de dire ça. On est des petits-enfants. Vous êtes des gosses encore. Alors soyez gentils avec les gamins, Natacha Polony et Aymeric Caron. Oui, on est gentils. Franchement, vous avez pu le voir. Regardez comme... Non, mais là, on va vraiment être mal. Faut pas nous regarder comme ça. C'est terrible. C'est à vous. Non, d'autant plus que moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était en effet assez charmant, rafraîchissant. J'aime bien ce style. Je trouve ça très réussi parce qu'en plus, dans un style pop sympathique, vous faites ça très bien, c'est-à-dire avec un professionnalisme et une précision que je trouve admirable. Et en plus, cette référence, alors c'est vrai que c'est assez intéressant, cette mode qu'il y a d'une référence aux années 60.
on lit beaucoup dans les interviews, mais enfin, pourquoi vous intéressez-vous à cette espèce d'âge d'or que vous n'avez pas connu? C'est vrai que c'est une question, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces années 60? Est-ce que c'est le mythe d'une ère où tout allait bien, où France Gall chantait les sucettes à la Nice sans même se rendre compte de ce que ça signifiait? Enfin, c'est quoi? C'est la naïveté? C'est la sincérité? Ou c'est... Et je complète votre question, vous êtes né en quelle année, vous? 90. 90, c'est vous? 94. 94, aïe. Oui, hein, ça fait un peu de vieux quand même. Aïe. Et alors, moi, je sais pas, pour moi, alors, 90-94, les années 60, ça veut rien dire pour vous, au fond. Bah, du coup, d'avoir vécu dans les années 90, en fait, avec, culturellement, musicalement, on n'a pas grandi avec des trucs qui nous ont transcendés. Et dans les années 2000, on a découvert pas mal de groupes indépendants américains. Grâce à Internet, évidemment. Qui nous ont amenés à écouter des choses aux sonorités très, très garage ou très, très réverbées, très, très roumées, comme on dit. Et du coup, qui nous ont fait découvrir Phil Spector, par exemple. Ça nous a intéressé, en fait, toute la musique surf. Et après ça, regarder en France ce qui se faisait, vu qu'on est français. Et du coup, forcément, Serge Gainsbourg, ses muses, France Gall, et puis aussi le répertoire de Françoise Hardy de cette période-là qui nous plaît beaucoup. Ouais, j'ai lu, d'ailleurs, vous dites Françoise Hardy, mais pas ses idées. Hein. Ouais, pas aujourd'hui. Enfin, Françoise Hardy des années 60, elle est cool. Et vous alors, mademoiselle Mélissa, ils vous font chanter, là, peut-être parce qu'ils ont des photos compromettantes, j'en sais rien, mais ils vous font chanter alors qu'au départ, ils chantaient aussi. Et vous écriviez, maintenant, vous n'écrivez plus. Comment ça se passe? Bah, en fait, pour le premier album, c'est Sofiane qui a beaucoup écrit. C'est tout est de sa faute. Mais c'est beau. Bien sûr que c'est beau, bien sûr. Autrement, vous ne seriez pas là si je n'avais pas aimé cet album. Franchement, il faut aller vous dénicher. Hein. C'est pas vous qui avez réclamé à corps et à cri. Non, c'est sûr. On le voit tout de suite. Et Monique Caron. Je suis embêté parce qu'on parlait tout à l'heure de la connivence qui peut s'installer et puis qui empêche ensuite de poser des vraies questions. Ben là, voilà, il y a 5 minutes de connivence qui sont installées. J'ose pas dire ce que j'ai vraiment à dire. Osez. Non, mais c'est vrai, vous avez l'air tellement fragile que... Non, ça va. Mais on est prêt à tout entendre, il n'y a aucun souci. Non, ce qui se passe, c'est que tu posais la question pourquoi cette référence aujourd'hui, pas systématique, mais quand même assez commune maintenant aux années 60, j'ai l'impression que tout simplement parce que dans les yéyés, il y a quand même tout un pan de la chanson française qui était des chansons assez fastoches. Alors, sauf si on arrive effectivement à avoir la subtilité d'un Gainsbourg, mais sinon c'était quand même des petites ritournelles avec des mélodies faciles et des textes un peu faciles. Et quand aujourd'hui on veut se référer aux yéyés, il faut être capable de dépasser ce qui avait été fait pour en faire quelque chose de moderne, de nouveau, avec des textes un petit peu voilà, qui nous remuent, ce qui est à mon avis pas tellement le cas de cet album-là. J'étais un petit peu déçu parce que j'entends parler de musique californienne, de West Coast, etc. Vous vouliez donc toucher. Moi j'adore cette musique-là. Moi c'est ce que j'attendais dans cet album et... Je ne l'ai pas trouvé. En revanche, j'ai trouvé effectivement le côté des yéyés qui, moi, me plaît pas trop. Quoi. Ce côté mélodie super simple et texte un peu naïf. On laisse répondre Mélissa là-dessus d'abord. Nous, on a tenu à être sincères dans cet album et on est très attachés au côté organique des choses, en fait. Et les textes, on aime quand les choses sont dites de façon simple et qu'il n'y ait pas des vers qui veulent rien dire, Non, mais c'est vrai. Des artistes, ils écrivent des choses, ils ne savent même pas ce qu'ils disent, quoi. Et puis, au moins, ils le font en français. Ils auraient pu choisir l'anglais, auquel cas, on peut foutre n'importe quelle parole très simpliste. Et c'est une complication, c'est une difficulté de le faire en français. Et au moins, les choses sont dites de façon simple et... La musique californienne qui nous intéresse, nous, c'est actuel, en fait. Ouais, je comprends. C'est vraiment tous les groupes comme Tennis, Blood Orange. Ce sont les critiques qui les ont mis dans la case néo-yéyé, en fait. C'est ça. Nous, ça s'entend quand même. On sent quand même vachement l'influence dès qu'on écoute, dès qu'on met le disque. En fait, on se revendique par contre d'un genre de pop en français qui ne se faisait pas dans les années 90, mais effectivement qui était bien présent dans les années 60. Mais on ne sent pas forcément comme un groupe hommage aux années 60 ou revival, ou juste faire de la musique vraiment pour s'évader, s'amuser. Et c'est là qu'on la trouve, la Californie, en fait, peut-être pas dans les sonorités, mais dans l'imaginaire, en fait. Juste un extrait, promis, parce que c'est vrai que votre voix là, a été encore toute timide. Nancy Sinatra, pour qu'au moins on ait un aperçu des différentes chansons de l'album, écoutez.
Vous pouvez faire le playback. Allez. Sinon, si Sinatra n'avait pas chanté Back, je ne vous aurais pas embrassé. Je ne vous aurais jamais regardé, ni même effleuré. Sinon, si Sinatra n'avait pas chanté Back, aurais-je fraudé le tramway pour quelques minutes? C'est pas mal, Joël. Moi, j'aime ça. Bravo, en tout cas. Pour cette voix, non, parce qu'on se rend pas compte autrement là. Elle est toute timide là comme ça. Va falloir lui apprendre. Hein. Il faut la. Là, les deux, trois garçons, va falloir la briefer. Hein, la question là, c'est il se passe quoi quand vous chantez? Parce que vous êtes là totalement traumatisé et il y a. On vous entend. Je suis pas traumatisée. Vous donnez de la voix. Donc il y a une, quelque chose qui fait que vous n'avez plus peur, que vous êtes dans un état autre. C'est une libération aussi, enfin, c'est un truc un peu particulier, c'est... Nicole, venez à leur rescousse au petit jeune là quand même. Mais est-ce que c'est votre première télévision? Oui. Ah non. Ben voilà ce qu'il fallait nous dire. C'est leur première télé quasiment, surtout avec deux comme ça là. C'est pas notre première télé, mais c'est notre premier gros comme plateau ça, oui. Comme ça. Là. Bah oui, c'est pas France 3 quand quoi. En plus, il y a. Bon, ils sont très gentils chez France 3. Là, je dis ça, mais j'en viens alors. Ah, d'accord, c'est France 3 Le Havre. Oui, France 3 Haute-Normandie. Bah écoutez, en tout cas, l'essentiel c'est qu'on ait parlé de l'album, qu'on vous ait fait découvrir à ceux qui aiment ce genre de musique, et il y en a, moi en premier déjà, la preuve, c'est qu'on a sélectionné cet album quand on l'a reçu ici à la prod. Ça s'appelle Les Voiles et on vous souhaite bonne chance sur les routes à l'un et à l'autre. Merci à vous.